Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face. Que retenir de la lutte contre les mutilations génitales au Bénin en cette journée internationale de la tolérance zéro contre les mutilations génitales? Pour en parler, nous recevons Miguel Couéto. Miguel Couéto, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour aux amis téléspectateurs. Vous êtes juriste, spécialiste des questions des droits humains. Merci d'être venu. C'est quoi les mutilations génitales? Alors, on va définir les mutilations génitales en nous basant sur la loi 2003-03 portant répression de la pratique des mutilations génitales en République du Bénin, qui définit les MGF comme l'ablation partielle ou totale des organes génitaux d'une personne de sexe féminin. Évidemment, cette ablation, elle est faite sur l'organe génital externe. Externe. Donc, ça peut être le clitoris, ça peut être les lèvres, etc. Et donc, ça peut être également toute autre opération sur les organes génitaux qui ne sont pas instruits par un spécialiste et donc un médecin. Alors, pourquoi une telle journée? Une journée internationale tolérance zéro face aux mutilations génitales, c'est dans le même cadre que toutes les autres journées. Dans le sens de mieux protéger les droits des personnes humaines, notamment en ce jour, les droits des femmes, ou si vous voulez, les droits sexuels des femmes. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc cette journée, encore une fois, c'est pour attirer l'attention sur le fait qui ne recule pas pour autant, ou alors recule, semble reculer et parfois ressurgit sous diverses formes. C'est ça. Et ça peut davantage faire réfléchir. Et c'est pour cela que cette journée existe, pour nous rappeler que c'est un fait qui existe, qui va toujours exister si on ne prend pas les précautions qu'il faut. Et donc, ce phénomène a des conséquences sur les femmes, les jeunes filles qui deviennent femmes après, sur lesquelles on pratique ces mutilations. Évidemment, Maurice, il n'y a pas d'acte non médical abusif sans conséquence sur la vie d'une personne. Vous qualifiez Et là, d'abusif. nous parlons de petites filles et de femmes. Vous savez, au Bénin, ou plutôt dans le monde entier, les Nations Unies estiment à 200 millions le nombre de filles et de femmes ayant subi les mutilations génitales féminines. 200 millions. 200 millions. Mais quand nous venons au Bénin, on va trouver que les femmes ou les filles de la tranche de 15 à 49 ans, au regard de l'EDS 2011-2012, L'IDS, c'est quoi? c'est l'enquête démographique et de la santé D'accord. réalisée par l'INSAE, l'Institut national de la statistique, Oui. dans notre pays, nous a révélé donc que, par exemple, 7,3% de femmes et de filles dans cette tranche d'âge de 15 à 49 ans ont subi une fois les mutilations génitales. Et vous allez remarquer que dans notre pays, il y a des départements, notamment quatre, qui sont en pic quand on évoque cette pratique-là. Et bien sûr, au regard de cette enquête, parce que nous n'allons pas avancer des chiffres qui n'existent pas. C'est ça. C'est cette enquête qui les a révélés. Par exemple, au niveau de la Takora, l'enquête a révélé un taux de 14,4%. Au niveau de la Libori, 26,2%. Au niveau de la Donga, 26%. Et le plus grand pic, ça a été au niveau du Bankou, Beaucoup. avec 41,4%. Vous comprenez donc que entailler le sexe d'une femme ou d'une fille à l'externe, on peut vous évoquer différentes raisons, mais les conséquences sont nombreuses. Entre autres raisons, sous certains cieux, on vous dira que ça permet à la femme de conserver sa virginité, que ça l'empêche d'avoir envie d'aller D'avoir les vers un envies, homme oui. avant qu'elle ne se mette sous le toit de celui-ci. Étouffer ses libidos. Voilà, on vous dira après que c'est une norme sociale et qu'elle ne doit pas ou ne peut pas s'y soustraire. On vous donnera différentes raisons, mais les conséquences sur cette femme sont nombreuses. Voyez, aujourd'hui, vous pouvez avoir des femmes. Quand une femme ou une fille subit de l'excision, elle peut contracter des infections génitales. Merci.
Et si ces infections... Avec des conséquences sur la fécondité. Exactement. Si ces infections ne sont pas détectées à temps et traitées comme il faut, et donc ça va aboutir parfois à la stérilité de cette dernière-là. Psychologiquement, déjà, pour ces femmes, c'est difficile plus tard de ressentir le plaisir lorsqu'elles passent à l'acte sexuel. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences aussi sur sa psychologie, sur son mental. C'est des femmes qui se sentent... Sur son épanouissement. Sur son épanouissement de façon générale. C'est des femmes qui se sentent moins que les autres dans certaines communautés. C'est des femmes qui, quand elles ont l'opportunité un jour de quitter leur milieu et de découvrir qu'ailleurs, ça n'existe pas, elles se sentent moins que les autres, moins femmes que les autres. Et ça, c'est quelque chose qui peut agir aussi, qui peut affaiblir l'estime de soi et qui peut empêcher une femme ou un être humain de vaquer convenablement à ses occupations, d'être épanoui dans la société, tout simplement. Il y en a aussi qui sont obligées parfois de rester dans l'arrière-cour parce qu'elles estiment qu'aucun homme ne voudra d'elle, la voilà qui a quitté son milieu habituel. Et les conséquences au plan sanitaire sont énormes, les conséquences également peuvent exister sur la famille, parce qu'on a tôt fait généralement de penser que les personnes qui entourent les femmes ayant subi les mutilations génitales ne sont pas affectées. Au contraire, parce que quand elle souffre, quand elle va avoir des difficultés demain, ça va rejaillir sur toute la famille. Et ça va rejaillir aussi sur son conjoint, sur sa progéniture future. Heureusement, il existe des personnes aujourd'hui qui s'adonnent à la restauration de la féminité de ces femmes-là. Donc, on peut subir aujourd'hui des... Ça peut se faire au Bénin? Ça peut se faire au Bénin. Mais à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas connaissance qu'il y ait un centre spécialisé dans cette chirurgie réparatrice. Mais je sais que dans la sous-région, il en existe et que des missions aussi, parfois de médecins qui sont engagés dans ce combat, sillonnent différents pays pour aider les femmes victimes de cette pratique à retrouver leur féminité, à retrouver la dignité de leur personne. Et qu'est-ce qui empêche que ce phénomène arrête, qu'on atteigne un taux zéro de ce phénomène chez nous? Est-ce que c'est chez nous seulement que ça se pratique? On a parlé de 200 millions en Afrique autour de nous. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu des pays dans lesquels cela se pratique? Alors, c'est une pratique qui a cours dans différents pays africains, mais aussi au niveau du Moyen-Orient. Quand vous êtes au niveau des pays africains, c'est une pratique qui a cours au Sénégal, qui a cours au Niger, au Nigeria, au Burkina Faso, au Togo aussi. Il y a beaucoup de pays africains. Au nord du Togo, il y a beaucoup de pays dans lesquels cette pratique est monnaie courante. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que elle prend d'abord sa source dans le contexte social. Vous voyez, c'est une pratique qui a eu cours pendant des décennies et qui a été transmise de génération en génération. Ce qui fait que même des spécialistes, des mamans ou des mémés spécialistes. Voilà. Donc, dans beaucoup de communautés, vous avez de ces femmes-là qui sont d'un certain âge et qui se disent gardiennes de cette tradition. Et elles sont les seules à pratiquer ça. C'est des pratiques qui sont pas vraiment médicales. Donc ça se pratique par des personnes dans des milieux de fortune, avec une lame, avec des outils dérisoires, sans grande protection, sans grande sécurité sanitaire. Voilà. Mais la difficulté à évincer ou à éliminer complètement cette pratique, c'est qu'elle est tellement ancrée dans certaines communautés qu'il faut rappeler au passage que le changement de comportement prend du temps. Le changement de comportement va prendre du temps. Il faut prendre également la patience de pouvoir convaincre les personnes qui sont gardiennes de cette pratique dans beaucoup de communautés que cette pratique, elle est avec coût, c'est vrai, mais que les conséquences sur la vie de la fille, de la femme sont énormes. Malheureusement ou heureusement, pendant longtemps dans notre pays, il y a eu beaucoup de luttes qui ont permis une régression de ces pratiques. Et depuis quelques années, la pratique... On sent un relâchement.
Pas un relâchement forcément, parce qu'il y a des tests qui existent, il y a des sanctions qui ont été prévues. Mais malheureusement. Mais qui va dénoncer? Ça, c'est la première question. On a cette habitude, malheureusement, dans nos communautés, de vouloir tout gérer en famille, de vouloir tout gérer et pas compromis. Et on n'aime pas souvent que le parent ou le proche qui a commis un tel acte soit amené devant les juridictions. Mieux, vous savez, la pratique aujourd'hui dans notre pays est en train de prendre ou a pris différentes formes. Elle a cours beaucoup plus au nord du pays, on l'a dit tout à l'heure, mais de plus en plus, c'est une pratique qui est en train d'aller, de prendre une forme frontalière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mutilations génitales féminines au Bénin, elles existent toujours, mais de plus en plus, il y a des parents qui quittent le territoire béninois pour aller commettre le forfait et revenir. Ah oui. Donc vous pouvez avoir des gens qui traversent les frontières au niveau du nord Bénin pour se retrouver au Nigeria, histoire de pratiquer, de revenir. C'est pareil pour ceux qui vont au Togo, pour ceux qui peuvent aller au niveau du Burkina Faso et dans d'autres pays limitrophes pour pratiquer la chose et revenir dans notre pays. Miguel Kouito, pour conclure, est-ce que où en sommes-nous avec cette lutte aujourd'hui au Bénin, en quelques mots, et quel appel avez-vous à lancer? Alors, nous avons différentes lois dans le pays. Nous avons trois lois fondamentalement quand on parle des mutilations génitales féminines. J'ai parlé tout à l'heure de la loi 2003-03 portant répression de la pratique de mutilation génitale féminine au Bénin. Nous avons également la loi 2015 portant code de l'enfant, parce que les mutilations génitales féminines se pratiquent aussi sur des enfants et donc sur des mineurs, filles. Et enfin, nous avons la loi 2011-26 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Toutes ces lois-là, aujourd'hui dans notre pays, y compris la Constitution, interdisent toute pratique de mutilation génitale féminine. Toutes ces lois-là interdisent les violations des droits des personnes, de la personne humaine, qu'elles soient de façon spécifique les femmes, puisque c'est d'elles qu'il s'agit. Et également, il faut dire qu'au regard de ces tests, il y a des sanctions. Donc les gens doivent pouvoir comprendre que quand vous pratiquez vous pratiquez des mutilations génitales féminines sur une personne, une fille ou une femme, il y a des sanctions. Vous pouvez écoper d'une peine d'emprisonnement qui va varier de 3 mois à 6 ans, selon le pic, en fonction du cas. Parce que quand la victime décède, c'est autre chose. Ah. Quand vous êtes aussi simplement complice ou que vous avez aidé à faire la pratique, vous avez également à être sanctionné. Ou alors, quand vous avez eu connaissance du fait, vous n'avez pas empêché ça. Ou alors, vous n'avez pas dénoncé, prévenu pour qu'on puisse empêcher ça. Ou alors, vous avez eu connaissance que ça a été fait, vous ne l'avez pas dénoncé. Vous également, vous êtes sous peine. Et donc, je voudrais, pour finir, dire encore une fois que une énième journée de lutte contre les mutilations génitales féminines. Une journée de plus, ce n'est pas de trop. Mais le plus important pour nous, c'est de prendre conscience et de savoir que... Et surtout de dénoncer. De dénoncer pour le bien de nos communautés, pour le bien de nos filles et de nos femmes. Miguel Kouito, merci. Merci pour votre disponibilité de tous les instants. Le plaisir est toujours renouvelé, Maurice Agua. Mesdames et messieurs, nous avons parlé de la lutte contre les mutilations génitales en cette journée internationale de la tolérance zéro contre les mutilations génitales. Nous avons reçu Miguel Kouito, vous l'avez écouté, juriste spécialiste des questions des droits humains. Merci une fois encore d'être venu. C'est moi. Je vous laisse donc, mesdames et messieurs, en compagnie de Natacha Kofi.